Wow, Tabs! Ce château gonflable est incroyable! Je me demande, c'est comment de rebondir sur la Lune? Bonne idée, Tabs! On peut aller sur la Lune et le découvrir! J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille! Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille, confirmé! Très bien, partons explorer! La Blip Immobile est prête à partir à l'aventure. Et voici la Lune. Ouais. Ok, il est temps d'atterrir. Hé, ça chatouille. Qui es-tu? Je m'appelle Rocky, la roche de la Lune, parce que je suis un rocher. Salut Rocky, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la Lune. Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher. Mais voyons si je peux... lever. Très bien. Alors allons rebondir. Tcha, 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 tcha. Je suis léger comme une plume ici. Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser! Wouhou! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air! Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre? À cause de la gravité! C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol! Elle tire les choses vers le bas. Mais, il y a beaucoup moins de gravité autour de la Lune que sur la Terre! Parce que la Lune est beaucoup plus petite. C'est pourquoi on flotte si longtemps. J'ai la réponse à ma question. Comment ce serait de rebondir sur la Lune? C'est tellement amusant. Et les sauts sont vraiment grands. Parce qu'il y a moins de gravité sur la Lune qu'il n'y a sur la Terre. Télécharge la réponse, Tabs. On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas. Tcha, 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 tcha. Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, vient de vivre. Au revoir, Rocky. Continue à rebondir, Blippi. Wow. De la salade. Oh, merci, Tabs. Je ne savais pas que ce bout de salade était coincé dans mes dents. J'imagine qu'une brosse à dents pourrait aider. Je me demande, comment est-ce qu'on utilise une brosse à dents pour se laver les dents? Super idée! On peut aller à la rencontre d'une brosse à dents dans une bouche. Je vais avoir besoin d'elle. Elle, confirmée. Allons explorer! Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Il est temps de se rétrécir et d'entrer dans une bouche. Rétrécissement! On est à l'intérieur d'une bouche. Tu as raison, Tabs. Il nous faut un moyen de nettoyer ses dents. Une brosse aiderait-elle? Bonjour, je suis Bill Brushy. Et tu es... Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. Je veux savoir comment utiliser une brosse à dents pour se laver les dents. Bien! Tu demandes à la bonne brosse. Monte, et je vais te montrer la meilleure façon de laver tes dents. Très bien! Hé, Bill Brushy, c'est du dentifrice sur ce côté de la brosse? Oui, monsieur. Ça aide à garder les dents saines et sans nourriture. Ok, voici comment se brosser les dents. Commençons tout d'abord par l'avant. Donc, des petits cercles sur chaque dent.
Wow! Ok, le devant est fait. Passons à l'arrière maintenant. On bouge, on se retourne. Des petits cercles autour et autour. Très bien! Faisons d'autres cercles. Des cercles, des cercles, des cercles. Ces dents sont les molaires. Je les appelle l'équipe de mastication, car elles font le plus gros du travail. Je sais, Tabs. Le brossage des dents est une aventure sauvage. Wow! Je crois que j'ai la réponse à ma question, Tabs. Comment utilise-t-on une brosse à dents pour se laver les dents? On nettoie en brossant l'avant, l'arrière et entre toutes les dents en faisant de tout petits mouvements circulaires. Cela permet de faire sortir tous les aliments d'entre les dents et de les rendre belles et propres. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour votre aide, Blippi et Tabs. N'oubliez pas de vous brosser les dents 2 fois par jour, 2 minutes à chaque fois, pour avoir des dents super brillantes. On le fera! Merci de nous avoir laissé t'accompagner, Brushy. Au revoir! J'adore être à la plage! Waouh! Un poisson volant! Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs! On peut aller sous l'océan et le découvrir! J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice, confirmé. Activez la station Blippi! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Waouh! C'est un tout autre monde ici! Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement! C'est une forêt! Bienvenue dans mon quartier! Je m'appelle Jerry, Jerry la méduse! Hé! Moi, c'est Blippi! Et voici Tabs! On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien. Merci, Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varec. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh, c'est très grand. Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varecs, les varecs. Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs. Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh, ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh non, ça n'arrive jamais! Oui, Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry! Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non! Attends! Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise et elle t'a soufflé par son nez vent! Cela n'arrive jamais! Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, hey, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varecs, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi! Elles sont toutes très occupées! Ah, enfin, sauf celle-là! Ces abeilles sont occupées à faire du miel! Je me demande comment les abeilles font du miel! Oui! Allons dans une ruche! Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse! Elle, bras de pelleteuse, confirmé!
activer la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut, Blippi. Je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes! Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs! Au revoir, Bijonne! Merci de t'être fait abeiller! Au revoir! Ouais! Waouh! C'est une montagne assez haute! Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs! Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde? Bonne idée, Tabs! On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir! Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse! Elle, bras de pelleteuse, confirmé! Activez la station Blippi! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Allons trouver la plus haute montagne du monde! Youhou! Hé, moi c'est Blippi et voici Tabs. Nous recherchons la montagne la plus haute. Je suis en train de l'escalader là. Salut, je suis Betty le Yeti. Yeti! Je me dirigeais juste vers le sommet. C'est là qu'il y a la meilleure neige. Rien de pire que de la vieille... neige. Je peux venir? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute. Bien sûr, mais prépare-toi. Cette montagne est très haute. De la glace. On est si haut. Et il fait beaucoup plus froid ici. Merci, Tabs. J'adore le chocolat chaud. Wow! Je t'ai eu. On l'a échappé belle. Hey! C'est le sommet de la montagne. Ouais, on a réussi. Oh, wow! Il y a tellement de vent ici. Je t'ai eu, Blippi! Alors, quel est le nom de cette montagne? C'est l'Himalaya! Oh, vous l'appelez le mont Everest! Tu as raison, Tabs! J'ai la réponse à ma question! Quelle est la plus haute montagne du monde?
c'est le mont Everest. Il mesure exactement 8850 mètres. Télécharge la réponse, Tabs. Et la neige ici est délicieuse. Oh, de neige. Bon goûter neigeux. Au revoir, Betty le Yeti. Au revoir, Blippi. Waouh! Des dunes de sable qui rebondissent encore et encore. Waouh! Quel incroyable château de sable. Une vague arrive. Oh non, on dirait que ce château n'était pas assez fort pour cette vague. Hein. Je me demande, peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les vagues? Hein? Oui, tu as raison, Tabs. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je dois construire mon propre château de sable. Je vais avoir besoin du bras de la pelleteuse et des pattes d'araignée. Bras de la pelleteuse, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête à passer à l'action. Allons faire un château de sable qui ne sera pas emporté par la mer. Maintenant, on doit se mettre à la taille d'un château de sable. Rétrécissons. Sans la brise fraîche de l'océan, Tabs. Wow! Bonjour, je suis Krabby le crabe. C'est un plaisir de te rencontrer. Oh mince, je ne maîtrise pas ma force. Salut, Krabby. C'est moi, Blippi. Et voici ma Blippi mobile. Je l'adore. Alors, tu pars faire une belle balade? En fait, Krabby, je suis ici parce que je suis curieux de savoir si je peux construire un château de sable qui ne serait pas emporté par la mer. Tu as trouvé le bon crabe. Je suis un crabe planificateur, creuseur et bâtisseur. Je peux t'aider, Blippi. Super! La première chose qu'on va faire, c'est construire des douves. C'est un mot rigolo pour dire un trou, tu vois? L'eau va dans le trou et n'emporte pas ce qu'il y a derrière. Donc, creusons. Creusez, 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 creusez. Ouh! Waouh, quel trou! Maintenant, construisons un château de sable. Tu as raison, Tabs. On va avoir besoin d'une pelle. Terminé. Mission accomplie. Tu l'as déjà construit, Krabby. Et nos douves sont parfaites. Les douves sont le trou que nous avons creusé tout autour du château de sable. Superbe douve et meilleur château de sable de tous les temps. Une vague arrive. La douve a marché, Krabby. Ça veut dire que je pense avoir la réponse à ma question. Peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les eaux? Oui, je peux. En faisant un trou autour pour absorber l'eau. Télécharge la réponse, Tabs. Merci, Krabby. À la prochaine, Blippi. Continue à creuser. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. Et mon esquimau est en train de fondre dans ma main. Je me demande pourquoi est-ce que les glaces fondent dans la main. Comment ça, Tabs? Aller voir le camion à glace et demander à un expert? C'est une super idée! Je vais avoir besoin d'ailes, d'une pelleteuse et de pattes de canard. Ailes, pelleteuse sur le dos, pattes de canard, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi ma glace fond toujours dans ma main. Rétrécissons. Wouhou! Je suis dans le camion à glace. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Chérie Pop. Heureuse que tu sois passée. Bonjour chérie, c'est moi, Blippi. Je me demandais vraiment pourquoi mon esquimau fond toujours dans ma main. Je connais ça, mais d'abord, amusons-nous sur la glace. Ok. Wouhou! On fait du surf sur de la glace. On glisse sur des paillettes. Et on fait de la plongée dans du chocolat.
Chérie, tu es en train de fondre? Oui, je fonds parce que j'ai très chaud, mais je vais aller me rafraîchir dans le congélateur et j'irai mieux dans une seconde. C'est bon le froid. Comment ça se passe là-dedans, chérie? C'est une brise glacée. Maintenant, je suis prête. Wow, il a l'air de faire super froid là-dedans. Oui, c'est cool d'avoir froid quand on est un dessert glacé comme moi. Ma température idéale est de 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Si je reste au frais comme ça, je ne fondrai pas. C'est bon à savoir. Je vois, tu es exactement comme mon Esquimau de tout à l'heure. Quand il est sorti du congélateur et qu'il a été exposé à la chaleur de la blip immobile, il a fondu sur moi. On dirait que ton Esquimau aurait dû venir nous rendre visite. Tu as raison, ce qui signifie que l'on a la réponse à ma question. Pourquoi mon Esquimau fond dans ma main? C'est parce que les glaces fondent s'il fait trop chaud. C'est pourquoi on les garde au congélateur. Télécharge la réponse, Tabs. Chérie, merci pour cette aventure totalement savoureuse. C'était trop cool. Reste frais, Blippi. Au revoir. La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super. D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est? Wow, Tabs, tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs. Wow, un arc-en-ciel. Tellement de couleurs. Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs. On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle est confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs! Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît! Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Hey, je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci, merci, merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serai honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan, Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau. Comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ses couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien, à plus tard, Blippi! Hey, c'est un camion à ordures. On peut le voir et le sentir. Waouh, Tabs! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais. Et tu es un robot. Attends, mais d'où peut bien venir ce bourdonnement? Oh, des mouches! Hé, ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs. Je me demande, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Bonne idée, Tabs. On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée.
Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures. Rétrécissons. Retiens ton souffle, Tabs. On y va. Je suis dans le camion à ordures. Bienvenue. Je suis Horace la mouche. On dirait que c'est ta première fois ici. Salut Horace, c'est moi, Blippi. Ceci est ma première visite à un camion poubelle. Ça empeste un peu, hein? Pas pour moi, j'adore les odeurs. Suis-moi, je vais te faire visiter. Cet endroit est mon terrain de jeu. Wouhouhou, choupidou, wouah! Oupsie, désolé pour ça. Hé hey Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler. On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizza graisseuses et même des restes de bouillie mystérieuse. Oups, désolé, ça devait être les haricots. Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches, le plus proche. Horace, où es-tu? Oh, ça arrive, les ordures! C'est du gâteau! Oh non, ce n'était pas du gâteau, mais c'est bon quand même! Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures! Horace a plus d'énergie maintenant. Ah ah! Ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures. C'est parce qu'elles aiment l'odeur et qu'elles y trouvent de quoi manger. C'est vraiment bête! Télécharge la réponse, Tabs! Oui, monsieur Blippi, pour moi, un camion à ordures est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté. Wouhou! Allez, Horace, merci! À la prochaine, Blippi!